Trésor, mémoire de radio, présente. Trésors, mémoire de radio, présente. 13ors, mémoire de radio, présente. 13ors, mémoire de radio, présente. Noël, Noël, racontez-nous votre vie, mais simplement, laissez venir les pensées et les souvenirs. Oh, les souvenirs, oui, j'en ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Je vais d'ailleurs faire une présentation de mes souvenirs à la radio française. Dans quelques temps, je viens de m'entendre avec la direction de la RTF. Et je vais raconter tous mes souvenirs de jeunesse, tous les gens que j'ai pu connaître, les Xavier Prival, les Vincent Ispal, les Ferny, les Schepfer, tous ceux qui m'ont appris mon métier de chansonnier. Car je vous le disais tout à l'heure, avant de commencer l'émission, le peu d'expérience que je peux avoir, car l'expérience, à mesure qu'on avance, on s'aperçoit, c'est comme le dessin du cercle d'une pierre qu'on jette dans un étang. À mesure qu'on agrandit son horizon, on s'efface, on devient plus modeste, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a tellement de surface à embrasser. Mais le peu que je peux savoir, je l'ai appris par ces gens-là, je l'ai appris surtout par le dur contact du public au cabaret. Si on peut comparer mon métier à la ripique, j'ai fait saumure avec le cabaret. Chez elle après dîner dimanche, ma vieille tante Marie-Blanche me dit: prends ton tilleul après, si tu veux je te montrerai un gros album de vieux portraits. C'est celui qui vient de ta grand-mère. Voilà maintenant, si tu préfères que je te chante quelque chose au piano. Mon choix fut fixé aussitôt, les photos plutôt, les photos. Tante alors m'apporte le livre dont j'ouvre le fermoir en cuivre, et je me plais à regarder ces portraits aux châles brodés, aux lourds bandeaux noirs démodés. Quel est ce bébé sur son derrière? Tante m'explique que ça c'est Pierre, il est mort. Oh le pauvre petit enfant, pauvre mignon, il est mort comment? Il est mort à 75 ans. Qui voulez-vous qu'on reconnaisse sur tous ces portraits de jeunesse? Quelle est cette belle fille, quels beaux yeux? C'est tante Mathieu, la tante Mathieu qui a de la moustache. Oh bon Dieu! Ton oncle en 1860, tu lui ressembles, me dit ma tante. Oh, mon plaisir et mes gros laits, car justement je me disais que je le trouvais bougrement laid. Tante me dit, ça c'est Niquet, qui épousa en 76 une demoiselle Sarrazin, dont le grand-père était cousin du gendre de tante Balazin. Puis suivent des photos passées, jaunies, mon attention lassée, cherche encore à dire quelques mots. Oh le pont cuirassier, espèce de saut, c'est moi, avec mes cheveux dans le dos. Moi, me voici, assis sommaire, je n'ai qu'une brassière en laine. Elle est relevée de façon à montrer mon petit soupçon de départ pour être un garçon. C'est gênant ces photos qu'on garde quand une dame les regarde. C'est même assez vexant songer si la dame dit au jugé: vous n'avez pas beaucoup changé. Et voici la dernière page, je comprends les vieux davantage. On oublie trop qu'ils ont été bien avant nous, fraîcheur, santé, élégance, amour, volupté. Plus tard, mes portraits de jeunesse feront dire: et celui-là qui est-ce? Mais c'est l'oncle, il avait des cheveux. Quel oncle, ce petit gommeux, l'ancien chansonnier, ah, le gâteux. Portrait d'homme et portrait de femme, un album, c'est tout un programme, donnant la photo des acteurs qui ont joué ou joueront par cœur cette comédie sans auteur. La comédie de la famille, comédie gaie, triste ou gentille, c'est le programme du mélo, réglé, commandé de là-haut par le destin, l'impresario. Donc le cabaret vous a permis d'avoir un contact permanent et difficile avec le public, si bien que plus tard, au cinéma, vous avez pu imaginer quel serait le contact du public en face de l'image, ce qui est pour vous. Je me suis trouvé en vase clos tout à coup au cabaret, mais en ayant encore le souvenir des réactions qu'avait le public devant les propositions que je lui avais faites dans la journée. J'avais écrit dans ma journée une chanson ou un effet, je croyais qu'il allait être drôle, et ce n'était pas le jour où l'effet que j'avais cru drôle portait,
que j'apprenais mon métier. J'apprenais mon métier surtout le jour où, dans l'après-midi, j'avais écrit quelque chose et il y avait beaucoup de présomption et je me disais, ça va être très drôle ce soir, et j'arrivais devant le public et ça ne portait pas. Et ce qui m'a permis d'avancer, c'est que je n'ai jamais accusé le public de bêtises. Je prétends que le public, il a tout en lui-même, il est universel, il a peut-être une certaine bêtise qui dort, mais il a aussi beaucoup d'intelligence. Et si vous savez réveiller cette intelligence, vous avez toujours une masse qui vous répond présent. Comment s'est passé le passage entre le cabaret et le cinéma? Car tout de même, vous vous heurtiez là à des difficultés techniques toutes nouvelles pour vous. Il n'y a pas eu de passage, parce que je me suis retrouvé tout d'un coup dans l'intimité même que j'avais au cabaret. Quand je chantais au théâtre de 10 heures, ou que je jouais une scène au théâtre de 10 heures, je la jouais à peu de choses près, avec la même intimité qui nous est réclamée au cinéma. Car quelle est la différence entre le vrai théâtre, j'entends le théâtre avec une grande salle, et le cinéma? Elle est celle-ci. Au théâtre, vous dites un mot, vous faites un geste. Pour un seul spectateur, le dernier de la salle, sans ça, vous n'auriez pas toute la salle, n'est-ce pas? Alors vous êtes donc obligé de grossir le mot, le geste, de mettre un verre grossissant sur tout ce que vous faites. Sans ça, vous n'auriez pas, encore une fois, toute la salle. Tandis qu'au cinéma, comme au cabaret, au petit cabaret, rien de tout ça, vous avez le spectateur sur vous, vous avez la caméra, comme au théâtre de 10 heures, quoi, vous les avez à 10 mètres au plus, au cinéma, vous avez le seul spectateur, la caméra, qui est composée, cet être robot, d'un œil, l'objectif, et d'une oreille, le micro. Les deux organes, là, sont à quoi, 50 cm, 1 mètre de vous. Alors, vous n'avez rien à forcer. Je me suis trouvé à l'école qui me préparait au cinéma, au fond. J'ai eu de la veine. T'as vu comment il me cause, ce grand couillon-là? Je te disais que l'autre soir, là, il m'a foutu des calottes. T'as battu? Il m'a battu. Ah ben, t'as le jure. Il vous bat, votre fils? N'exagérez pas un peu, non? C'est ce que je dis. Il me traite comme un vieux et ça me fait malice. Il couchait tôt, et la tisane, et la flanelle, bon... Et à table, Pinard. De l'eau dedans, comme si j'avais 6 mois. Tiens, c'est pas de ma faute si j'ai 65 ans. J'ai mis assez de temps pour les avoir. Dites donc pas tout ça, vous êtes tout fier d'être grand-père. Oh, pensez-vous, tout entouré de petites teignes, des sales petits mêles d'eux. J'en trouve un dans un coin, mon vieux. Je le pince, ils m'en font assez voir. Oh, bah t'as raison, mon Blaise. Ton rôle, c'est d'être respecté. C'est bon, parce qu'on est des vieux, il faut nous prendre pour des andouilles. On accorde notre tête. Ah, là-bas. Mais dites donc, il était marié, votre ami Talon? Peut-être bien revoir sa dame. Oh, mais c'est vrai, j'y pensais plus. Il va l'appliquer avec sa bonne femme, le Baptiste. Ah, bah dis donc, bah, ça change tout, t'as raison. Non, entre nous, c'était une belle femme, la Del Talon. Oh, elle était gracieuse, mais peau de pêche en or, peau d'aran dedans, un caractère, puis ça pourrait lui s'arranger, là. On va pas trouver un moyen pour les faire pencher. Ah, ce coup-là, ça doit être le cargo. C'est bon, c'est lui, mon poulot. C'est de la bonne sous-soupe, ça, madame. On ne veut pas. Tonton, tais-toi, sans quoi je me mange tout le bon miam-miam. T'en auras pas, tout sera pour moi. Mange ta bonne bouillie, mon petit ange. Non. Tonton, t'auras pas de bonbons. Moi, j'aime ta bouillie, regarde, je la mange. Rien, toc. Ah, t'es bon, t'es bon. Mange une cuillerée pour petite merne. Une autre pour Kiki. Maintenant, une grosse pour grand-père. Puis tiens, une belle pour je sais pas qui. Une cuillerée pour Mme Bidouge, la concierge. Une pour le chaton, pour petit chaton. Une cuillerée pour le poisson rouge. Une autre pour la suspension. En mangeant de la sous-soupe sans lâche, ton bon grand-père a réussi à se faire pousser des belles moustaches. Tonton aussi, grand-mère aussi. Mange de la soupe, c'est ce qu'il faut faire pour devenir grand, fort et trapu, pour être beau, beau comme pépère, pour me ressembler. Hein? N'en veux plus. Toto, si tu ne veux plus de ta soupe, j'appelle Croque-Mitaine qui viendra, on verra bien si tu y coupes, et le loup-garou t'emportera. Tiens, j'entends un pas, mauvais gosse, derrière la porte, c'est cette fois la méchante vieille fée Carabosse. Tiens, bonjour, belle maman. Tu vois? La voilà finie, ta fécule, va jouer au revoir, petit garnement. Au fond, quelle que soit la pilule, elle passe avec des boniments. Ainsi, je pense aux gens d'affaires qui, moi, m'ont tué avec des mots. Mine de caviar, gros coup à faire, 300% soupe à Toto. Le commerçant pour sa camelote vous dit, c'est ce qui se fait de mieux. Puis ce ton vert sur fond carotte, ça va si bien au teint de monsieur.
En rentrant, madame, un soir même, les yeux battus, l'air échevelé, dit à monsieur, mon coco que j'aime, je te jure, je viens de me faire onduler. Pour avoir sa voile éligible, dit au citoyen, plus d'impôts et patati, droit invincible, et patata, sous patoto. Ainsi, mon fils, plus tard, je pense, pour travailler tes sentiments, on ira chercher la puissance des mensonges, des boniments. À moins que toi, fort au contraire, malin, débrouillard et finaux, tu tiennes aux autres la cuillère. Soupa toto, soupa toto. J'aimerais maintenant, pour terminer, vous poser une question, mon Dieu, bien classique, puisque c'est un jour anniversaire, c'est un jour de souhait. Quel est votre souhait ou quels sont vos souhaits? Je voudrais pouvoir, pour le cinéma que j'adore, faire les films que j'ai envie d'écrire, les films que j'ai déjà écrits d'ailleurs et qui me sont refusés à longueur d'année, car je suis l'homme le plus refusé du cinéma français. C'est assez curieux parce que les chiffres sont là, je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Les films qui ont le plus porté de moi sont les films que j'ai écrits, mais sont ceux-là pour lesquels j'ai dû lutter le plus et qui m'ont été le plus refusés. Le Père Tranquille, qui a d'ailleurs beaucoup porté en Suisse, eh bien, Le Père Tranquille m'a été refusé 5 fois avant d'être tourné. Les Grasse-Pieds, qui ont eu 3 prix, m'ont été refusés 6 fois, n'est-ce pas ? Par le fait même de l'originalité, non pas voulu, mais que je porte en moi par sincérité, je ne veux écrire que les choses que je sens et que j'ai envie de faire. Il me semble qu'en m'amusant à écrire, si j'ai l'oreille du public, j'amuserai mieux le public si je lui dis ce qui m'amuse et ce qui me plaît, n'est-ce pas ? Ou ce que j'ai envie de lui dire ou ce qui me passionne. Les producteurs, il faut les comprendre d'ailleurs, ils ont mis leur argent, et à partir du moment où ils ont mis l'argent dans un film, ils ont 2 raisons pour ne pas avoir la vérité. D'abord parce qu'ils n'ont pas le sens critique artistique, ce sont des financiers, ce sont des gens très intelligents dans leur matière, mais un homme n'a pas tout, n'est-ce pas ? Il n'est pas un demi-dieu. Moi personnellement, je n'ai aucune connaissance en calcul, j'ai toujours été très mauvais en mathématiques, qu'il me soit permis de dire que je m'y connais un peu mieux en psychologie du public, en art, si vous voulez permettre le mot. Mais eux, c'est pas leur métier. Et ça devient tout de même leur métier parce que, étant ceux qui mettent l'argent, ils veulent commander. Ils veulent commander parce que chez nous, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de diplôme et qui fait dire que ce monsieur, il s'y connaît mieux qu'un autre au point de vue des réactions du public quand le film sera fini ou quand le roman sera lancé. C'est dans tous les domaines artistiques qui s'occupent du spectacle et qui s'occupent de la réaction du public, c'est la même chose. Or, le producteur, comme il met de l'argent, il veut absolument commander. Il est un peu, alors on pourrait comparer au monsieur qui veut s'acheter une maison, qui veut se faire faire une maison, et qui, sous prétexte qu'il a mis l'argent, c'est lui qui paie, il voudrait commander les plans. Seulement là, il y a tout de même une connaissance technique. Il sait tout de même instinctivement que si c'est lui qui fait les plans, il recevra sa maison sur la figure au bout de 2-3 jours, ou même à la seconde même où il y rentrera. Alors il est mieux de prendre un architecte, parce que là, il y a des forces en présence, et il les connaît. Tandis que chez nous, il y a les mêmes forces psychologiques, mais il les connaît pas, il veut les ignorer. Et il croit qu'il peut parler à égalité avec. Alors c'est ce qui fait que moi, dans mes films, eh bien... Notre affaire n'a pas l'air de trop mal se présenter. Nous, c'est pour quand ? Samedi, probablement. Vos camarades sont bien arrivés à destination. Et vous ne me demandez pas de leurs nouvelles ? Oui, au fait, ça marchait ? Oui, ils ont bien trouvé l'adresse de nos... Vos correspondants ? Ils sont là après-demain ou plus tard, enfin, à la fin de la semaine. Et nous aussi, nous allons vous voulez. Eh bien, voilà. Dites donc, je peux parler devant monsieur ? Oui, je réponds de monsieur comme de vous-même. Je m'excuse, mon ami Pelletier a voulu absolument m'immiscer dans votre cercle, mais je suis trop vieux pour m'occuper de tout ça, moi. Vous avez peur ? Peur, non, mais... Quand même, la première fois, on doit avoir un peu la pétoche, hein. Non, je peux vous aider de mon expérience. Je connais très bien la région, je connais tout le monde. Je peux vous donner des conseils, mais comploter, trop vieux. Vous dites ça, mais si vous aimez bien votre pays, je finirai bien par vous avoir. Ça m'étonnerait. Alors, samedi ? Oui, mais j'aimerais mieux demain soir, je suis attendu à 8h. Vous rentrez à votre hôtel ? Oui, à Paris, mais je suis à pied. Et votre moto ? Je suis tombé en panne. Ensuite, alors, il y a longtemps ? Non, tout à l'heure, il paraît que c'est la magnéto. Je l'arrive demain. Toujours ça, les motos. Ça marche, ça marche pas ? Oui, ben vous en faites pas, je vous déposerai, j'ai mon camion à la porte, je fais appeler ville. Alors, j'ai encore 5 minutes. Je vous remettrai à chacun des armes et du plastique. Nos groupes en réclament partout. Du quoi ? Des matières plastiques ? Non, du plastique, une sorte d'explosif à base de nitroglycérine et de kaolin. Oh là là ! Au fait, dis donc, Simon, tu vas allumer le gazo, ça nous avancera. T'as la paix ? Ouais. Viré. Voilà. Merci. Où
plus entre nous. Vous vous méfiez de lui? Non, mais pour les trucs importants, vaut mieux l'éviter, il est un peu bavard. Alors? Oui, alors. Ce sont des postes importants à ravitailler. Ça y est, dans 10 minutes, voie de Nassau en haut de la côte. Oui, je sais. T'as ta moto? D'après Dupont? Bon, allez, file. Oui, à tout de suite. Mais pourquoi nous donnez-vous des armes? C'est compromettant. Oh non, mon vieux, si vous avez peur, faut faire comme monsieur. Faut rester tranquille. Ah bon? Bon, tu n'as rien dit. Alors ça y est? Ça y est, tout est prêt. Bon, alors filons. Alors, ton assoir là, par la petite porte, c'est plus prudent. Oui, oui, ici pour confirmer. Allez, en haut. Allez, montez. Je vous dépose, père tranquille. Bon, c'est pas la peine, monsieur est pressé, ça vous retarderait. Allez, au revoir. Mais si, c'est le chemin pour le ramener. Je passe par le bois de Nassau, je vous déposerai. Oh. Alors montez, ne montez pas, mais filons. Bon, bah alors je monte. Cigarette? Bon, oh, la dernière. Merci. Allez, roulez! Arrivant à l'enterrement, je dis bonjour bien gravement, bien recueilli, silencieux. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je demande, dites-moi monsieur le croque-mort, quand part-on? L'autre avec effort me répond, c'est au caca qu'on peut pas. Je tourne le doigt affolé, pris d'une envie de rigoler. Et je tombe sur les parents, avec un petit air marrant. Mon sourire qui m'a choqué n'est pas le seul à remarquer. Ce bon gros là-bas tout replay paraît ignorer où il est. Il dit bonjour, tiens ça va-t-il, comment ça va, ah ça brise-t-il. Tout à l'heure quand larmoyant, un parent les yeux rougeoyants lui dira merci, ah si si, merci d'être venu, merci. Il répondra pour protester, mais non voyons, vous plaisantez. Je vois le gendre un peu plus loin, pensif, recueilli dans un coin. Il semble ému sincèrement, oui c'était sa belle maman. Nu-tête, le col relevé, l'œil vide, fixant le pavé. Il est là tout de noir vêtu, il a l'air vraiment abattu. Je m'approche, je suis tout près, je l'entends murmurer distrait, croyant qu'on ne l'écoute pas. La grande église nous reçoit, les autres s'assoient, je m'assois. Il se lève, je fais selon, rester debout, ça semble long. Ensuite, je suis le seul debout, je suis distrait, asseyons-nous. Le grand orgue me fait rêver, maintenant qu'ils sont tous relevés. Je reste assis, moi, sans rien voir. Le Suisse me fait un œil noir. Je comprends au moment précis où je me lève, ils sont assis. Puis un à un, nous nous baillons en défilant le goupillon. Chacun s'en défait tout réjoui dans la main du monsieur qui suit. Mais c'est mon tour, on me le tend. Je passe, puis déjà content. Je me retourne et m'aperçois qu'il n'y a personne après moi. À qui passer le goupillon, je reste là comme un couillon. Où le poser, ça devient moche, affolé, je le fous dans ma poche. Puis du cimetière, je sors impressionné, je pense alors, c'est pour en venir là un jour, qu'on lutte, mange et veut l'amour. Mais mon pas se fait plus certain, et mon talon fait du potin. À plein poumon, j'aspire l'air, j'ai faim, je vis, j'en suis tout fier. Tiens des bourgeons, v'là les beaux jours. Et joyeux vers Lily je cours, tout en fredonnant la chanson, le printemps chante dans les buissons. Alors, un sort un peu particulier, le rasoir bout en train. Je n'en compte aucun spécimen dans mes relations. Je n'en suis pas fâché. Mais un de mes bons amis en connaît un. Je vous présenterai d'abord mon ami. Le voici. Regardez le passant. C'est un charmant garçon, pavé de qualité. Mais autant il paraît effacé, timide, modeste, autant... Voici l'autre, son sacré blagueur est bruyant, jovial et remords. Je crois que la timidité de mon ami excite particulièrement la verve du joyeux drille. Il ne le rencontra qu'une fois pendant l'occupation, une fois de trop, comme il dit. Mais cette rencontre, il se la rappellera toujours. L'anecdote est absolument authentique. À cette époque, mon ami, en dépit de son apparente placidité, était un agent très actif d'un réseau important de renseignements. Il venait d'apprendre qu'il était recherché par la Gestapo, et il circulait ce jour-là nanti de moustaches et de lunettes qui, selon lui, le rendaient méconnaissable. La montée du blagueur à une station le fit immédiatement déchanter quant à son avis de transformation. Ah, je dis.
Pardon, mon ami, pardon. Alors, Ben Bouy, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va? Il y a longtemps qu'on t'a pas vu, non? Ah oui, j'habite la campagne. Pas compris? Le ravitaillement? C'est ça, oui. Le blagueur ne savait pas l'activité de mon ami. Pardon. Et mon ami ne savait pas non plus la forme de résistance à l'occupant qu'avait adopté ce fâcheux blagueur. Il allait l'apprendre aussitôt. Le loup, s'il lui avait déjà demandé dans l'oreille, lui avait raconté la dernière blague sur Hitler, s'il se tut tout à coup. Prudence, pensa mon ami. Ils avaient en effet trois énormes marins dans le dos. Au bout de quelques instants de silence, le fâcheux rigolard murmura. C'est pour une fois qu'il porte des moustaches. Mon ami leva les yeux interloqués. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma moustache à moi. Seulement moi, j'en ai le rechange. Et le terrible fâcheux sortit sous l'œil de mon ami effaré une dizaine de rubans de béret boche. Tu descends pas tout de suite, non? Je tâcherai de t'avoir tout à l'heure celui gamin derrière. T'es pas fou, tais-toi. Pardon, monsieur. Passez, ma bonne dame, passez donc. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon ami était pétrifié. Il se souciait peu d'avoir ce jour-là une histoire avec les Fritz. Il portait dans son par-dessus des plans dignes du port du Havre et il désirait ardemment passer inaperçu. Qu'est-ce que t'as, mon gars? T'en fais une gueule! Bah, faut pas être frigo comme ça. Je descends la prochaine. Descends, mais remets-toi. Allez, demande pardon, monsieur, là. Pardon. Faut être poli. Bah, dis-moi au revoir tout de même, va. Au revoir, vieux. Allez, au revoir. Mais qu'est-ce qu'il va glisser dans la main, se demandait mon ami. Oh, le chameau, un gland de poignard de fissier Bosch. Où vais-je jeter ça? Il ne l'a sûrement pas coupé pour moi, je m'en serais aperçu. Faire flot! T'as un cheval, il pour ton pays, regarde ce que je fais, tout le camp. Regarde bien cette maison, grisâtre comme une prison. Elle est laide, tu as raison, mais c'est celle de mon enfance. J'étais jeune, blond, frais, ma foi. Elle a bien moins changé que moi. Devant le temps, je m'aperçois qu'elle a montré plus d'endurance. Cette cour me vit tout petit, avec un gros nœud rose ici. Des cheveux blonds en boucles rondes. Las, je n'ai plus mes boucles blondes, ni mon ruban dans les cheveux. Et pour maintenant, ça vaut peut-être mieux. Sous l'escalier près du compteur, là souvent je jouais au docteur avec la fille du percepteur. Je bien sûr sans idée maligne, jeu innocent qui consistait à l'ausculter. Je lui tâtais les mollets, puis lui tapotais gravement le dos, la poitrine. Vers mes 20 ans dans un salon, je l'ai revue, des cheveux blonds, un charme fou, des yeux immenses, la salle en plein de déférence. Je pensais du fond de mon cœur, j'aurais bien encore au docteur. Au-dessus de chez nous, tu vois, habitait le petit Dubois. Il allait en classe avec moi, c'était l'élève phénomène. Il raflait tous les prix Henri, celui de latin, grec compris, ne laissant pour moi que le prix d'encouragement et d'hygiène. Fin juillet, pour lui, quel succès! Prix d'histoire, prix de français, de dessin, de mathématiques. Tous les prix, c'était fantastique. Depuis, j'ai revu ce héros, il est poinçonneur au métro. Le vieux couloir m'a vu passer, écolier, l'air tout tracassé. Papa, qu'est-ce qu'il allait me casser? Je rapportais mes notes de problème. J'étais 30e sur 43, cherchant des excuses de choix. Je me disais, ben je suis quoi, le premier des 13 derniers quand même. Puis leur problème que c'est ballot, un robinet débite de l'eau, un autre en bas vide le liquide. Dans combien de temps la cuve sera vide? Dans combien de temps? Vite, moi fais pas, fallait pas ouvrir celui d'en bas. Mais tout cela n'émeut que moi, toi tu ne vis pas mon émoi, c'est ma jeunesse et je te vois très bien plus tard en cette place. Menez nos fils en leur disant, votre père est né ici, en tu te tromperas de 5 ans et feras voir la maison d'en face. Tout au moins dis, comprends ceci, je suis chez moi partout ici, tout m'émeut de façon confuse, jusqu'au petit endroit, tu m'excuses, avec sa porte de bois brun. Oh pardon monsieur, il y a quelqu'un. Allons-nous en prenons congé, tiens, le vieux seau n'a pas changé. À droite, il est toujours rangé sur le rebord de la fontaine qui m'entendit à 12 ans dire, embrasse-moi, dit Vermaine, t'auras de mon sucre candi, et puis de mon chocolat, Vermaine. J'étais jeune alors, il est vrai, qu'à présent, chérie, toi, je t'ai, ce sont emplettes sur emplettes, bijoux, fourrures et toilettes, pour attacher ton cœur léger. Tu vois, le seau n'a pas changé. À table, il va être 8 heures. Oui, tout de suite. Quel était le caractère d'Henri IV? La poule au pot tous les dimanches. Oui, pas tout à fait ça, enfin, passons. Faites-nous la description de son costume. Il était habillé avec une framboise. Une fraise, idiote. À table. Débarrasse tout ça, qu'on mange.
C'est pas trop tôt. Allez, Didi, c'est servi. Ah ben alors, mon vieux, moi, je sais plus de quoi le dire, hein. Ah ouais? Eh ben, bonne chance, hein, pour ton slogan. Ouais. Je leur peux donner, moi. Oh, il faut que je lui fasse dire, c'est ce que tu veux. Alors quoi, vous pouvez pas être à l'heure, non? Vous avez les mains pas. Ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vous lavez les mains plus tôt. Il y a une heure qu'elles sont lavées, les miennes. Alors, elle doit être très propre. Elle fait pas la raisonneuse. Pas comme mémé. Attends. Bien fait. Tiens, bonjour. Monsieur Samy, quelle bonne surprise. Vous venez dîner? Rentrez donc. Quel bon vent vous avez? Bonjour, madame. Ça va, les affaires? Ça va pas mal. Oui. Je suis venu voir mon camion. Oui, oui, alors, ça, c'est, oui, ça va, c'est des histoires. Il va falloir que tu surveilles ma fille, oui. Faites mais à couvert. Allez, asseyez-vous. Excusez-moi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vous en prie, monsieur. Tenez, vous entendez ce que je vous disais? 8 heures à table, recta. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute. Je passe la parole à la famille du raton. Qu'est-ce que vous disiez à l'instant sur vos concitoyens? Cette commune, c'est une vraie pétaudière. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'honnêteté. Attendez que je sois élu. Oui, j'en vais pas, ça va changer. Alors vous disiez De quoi je parlais? Ah oui, je parlais de la commune. Ben figurez-vous, tenez, le docteur. Je vous dis pas les noms parce que... Faut être discret, les murs ont des oreilles. Hein. Oh, t'appuies dans le dos, Lisette, t'appuies dans le dos. Non, j'aime pas l'eau. Figurez-vous, je disais donc, le docteur fréquente assidûment madame la pharmacienne. Les enfants, voyons. Motus, enfin vous m'avez compris. C'est pas dur à comprendre. Allons. Faut que je me mène celui-là. Veux-tu mettre ta assiette proprement d'abord, cochon? Positif? En définitive. Bon, vous vous fichez de moi, En somme, positif. En définitive. C'est votre slogan. Quoi? Slogan? Les Duratons permissionnaires avec Jean-Jacques Vital, Jean Granier, Yvonne Galli et Lise Lina. Lisette, sois gentil, apporte-moi l'annuaire du téléphone. Celui des noms ou celui des rues, papa? N'importe, c'est pour me le mettre sur la tête. Quoi? Oui, ne cherche pas à comprendre, mon chéri, apporte-moi l'annuaire. Ben tiens, le voilà. Merci, regarde, je le pose sur ma tête. Oui, vois. Parce que je m'entraîne pour être mannequin militaire. Toi aussi? Ah ben oui, Jean-Jacques était au renseignement ce matin. Alors, je voudrais acquérir de l'aisance, de l'allure. Mmh. Et j'ai lu dans Marie-Claire qu'il fallait se mettre un livre très lourd sur la tête. Ah, ben, je vais te donner celui des noms, il est bien plus gros. Tiens. Oui, alors, je vais mettre les deux, tiens. Et puis, il faut pas qu'il tombe, hein. Alors, regarde si j'ai de l'allure. Oh, Lisette, quelle catastrophe que cette maison. Mais écoute, moi, j'en peux plus, je suis morte. Depuis hier au soir, je mets de l'ordre dans tous les coins. Je leur ai dit, quand ils sont arrivés, tout était dans un fouillis inexplicable. Tu sais ce qu'a fait papa? Non. Il n'a pas trouvé les draps pour dormir, alors il a pris les rideaux du salon. Oh, écoute, c'est invraisemblable, mais les draps sont dans la caisse aux pommes de terre. Non, faut que je te dise quelque chose. Quoi? Papa et Jean-Jacques vont arriver tout à l'heure. Oui. Il faut surtout pas leur dire qu'ils ont bonne mine. Pourquoi ça? Parce qu'ils se mettent en colère. Ben... Faut pas non plus leur dire qu'ils ont mauvaise mine. Pourquoi? Ben, parce que ça les frappe. Ben alors, qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? Ah bon, n'en parle pas, surtout n'en parle pas. Oh, comme c'est Tiens, voilà, papa. Oh, ça... Rebonjour, maman. Bonjour, mon petit papa. T'embrasse, tiens. Bonjour, papa. Ça fait une bonne promenade. Bonjour, ma chérie. Les oiseaux dans la nuit chantaient leur ritournelle. Bonjour, madame Café. Bonjour, monsieur. Comment, bonjour, monsieur? Vous êtes un monsieur. Bonjour, monsieur. Vous ne me reconnaissez pas, madame Coiffu? Eh, moi, vous le connaissez. Regardez-moi bien, madame Coiffu. Et je vous ai jamais vu. Mais si, vous m'avez déjà vu. Alors, vous ne connaissez que moi. Attendez, je réfléchis. Hey. Ah, vous êtes un soldat militaire. Merci, c'est bien aimable. Vous êtes sale. Ah ben, de mieux en mieux. Vous êtes mal rasé. Ah ben, je vous en prie, continuez donc. Je vous connais tout de même pas. Ah ben, écoutez, madame Coiffu, je vais vous dire, je monte au troisième. Là, vous allez renseigner maintenant. Oh, et c'est une seconde, je vous le connais maintenant. Hein? Vous êtes le fils du raton. Ah ben, c'est pas trop tôt, j'ai tellement changé. Et il est vrai que sous le casque, sous la capote, sous les bandes voltaires, ça vous change un bonhomme. Et bien sûr. Enfin, tout de même, hein, faut être franc, vous avez bonne mine. Comment? Vous avez bonne mine. Oui, mais je le sais que j'ai bonne mine, madame Coiffu. Je le sais, on me l'a déjà dit quand je suis descendu du train. J'avais bonne mine. Et alors, j'ai pas le droit d'avoir bonne mine? Enfin, vous fâchez pas. C'est mon droit d'avoir bonne mine, madame Coiffu. Enfin, quoi, vous avez bonne mine, c'est que j'ai bonne mine et vous n'avez pas besoin de me le dire. Vous me le disiez jamais avant quand j'avais bonne mine. Enfin, vous n'allez pas vous mettre en colère pour ça. Je ne me mets pas en colère, mais je le sais que j'ai bonne mine. C'est rigolo. Chaque fois qu'on dit à un militaire qu'il a bonne mine, ça le fait sur le top de ses gonds. Ça va, madame Coiffu. Ça va. Oui, bah, calmez-vous. Je monte chez moi. Attendez une seconde, restez un peu bavardé avec moi, je me sens bien seul dans ma loge, là. Oui. Vous voulez un vin chaud? Non, j'ai pas envie de vin
vin chaud. Ben, vous voulez quelque chose qui vous ferait plaisir? Oui. Quoi non? Oh, j'aurais bien pris un vin chaud. Ben, je vous l'ai proposé. Ah, c'est vrai? Ben, alors donnez-moi un vin chaud. Ben, je vais le cuire sur le gaz. C'est ça, comme vous dites. À part ça, madame Fréfu. Eh bien, ben, ça, vous avez été toujours pareil, hein? Oui, je monte chez moi, hein? Alors, restez une seconde avec moi pendant que le vin chaud. Ben, c'est toujours pareil, vous n'avez rien à m'apprendre, alors. Ben, si, mais c'est vous qui devez m'apprendre des choses. Oh, ben, vous savez, nous, hein, on est là-bas, quelque part. Oui, bien sûr, dis donc, vous venez bien souvent en permission. Ah, ben, vous êtes bien gentil. Il y a quand même 3 mois et demi que je n'ai pas vu Paris. Ça va, le temps passe vite, hein? Ah, vous trouvez, vous? Ah, vous trouvez? Vous êtes pas dur. Ben, vous mettez pas en colère. C'est long, 3 mois et demi, madame. Ah, ben, écoutez, ben, un peu plus. Ça fait 2 choses désagréables que vous me dites en arrivant. Fréquente la pharmacienne. Vous ne savez pas comment il communique avec elle sous l'œil même du pharmacien. C'est tordant. Toute non. La pénitentiaire peut être pas le bien. Eh bien, le docteur donne rendez-vous à sa belle en mettant des signes convenus sur les ordonnances qu'il fait pour ses malades. Exactement pareil. Ah, ça peut nous faire qu'il nous embête. Quand l'autre jour, j'ai été malade, quand j'ai eu ma grippe, il a écrit sur mon ordonnance 3 vins de fil à la moutarde, 2 autoplasmes et 2 cuillerées de potion. C'était significatif. Je ne vois pas. Ben, ça voulait probablement dire que 3 et 2, 5 et 2, 7 s'attendraient à 7 heures dans notre petit nid d'amour. Oh, les enfants, mais en attendant, il me fait tout de même suite penser que je me suis brûlé les pieds avec un 3e bain de pied parce que le docteur n'était probablement pas libre. Non, mais alors ça, c'est formidable. C'est tout à fait l'histoire du docteur Blanche et de la pharmacienne. Chut, voilà. Qui? Le pharmacien. Bonsoir, messieurs. Le docteur n'est pas là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous si gai? Nous écoutons la famille du raton. Ah oui, on m'a dit que c'était très rigolo. Ça dépend pour qui. Tous les pharmaciens ont des barbes et sont des bons types. Bravo, ça c'est gentil pour les pharmaciens, ça. Quand elle a pas prendre du grand café d'ici, depuis qu'elle est veuve, elle s'intéresse à l'armée française d'une façon passionnée et assidue. C'est ce que vous voulez, les képis, c'est porté par des beaux hommes. Ça fait tendance. Si on faisait plutôt un peu de musique. Ah non, 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 c'est trop drôle. Vous la famille du raton, madame. Merci, madame. Vous connaissez les autres, d'ailleurs. Les gens à voir comme ça ont une façade, font des sourires, et les manigances sont derrière. Mais je pourrais vous raconter aussi l'histoire du fondé de pouvoir de la banque d'ici. C'est bavard. Quoi? Ça sort pas d'entre nous. J'ai aperçu un soir à Montmartre, figurez-vous, dans une grosse voiture, avec chauffeur, gros cigare. Et moi, je crois fortement qu'il s'occupe avec l'argent de ses clients, avec les petites poules blondes. Il les aime blondes, figurez-vous. En mettre infaillible. Une sorte de formule magique. La blague? Non, mais il faut le dire 3 fois sans respirer. Mon binocle. Sans binocle, je suis presbyte. Faut que je mette tout ce que je dis à bout de bras. C'est pas les yeux qui sont mauvais, c'est les bras qui sont trop courts. Quoi? C'est bon, Pépé. Tu restes à ta place, toi? Oh, bon, je veux voir. C'est pas à toi qu'on donne quelque chose à dire, c'est à ton grand-père. Mange ton... ton veau. Kiwi, Leri, Livi. Oh, quoi? C'est pas ça. Prenez votre temps. Kili, Kiwi, Kiwi. Kiwi, Leri, Livi, Leli, 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 Vili. Bravo. Vili, Hurla, Ravi, Hurla, Ravi. Très bien. Viva les rats. Oh merde. Viva les rats. Viva les. Viva les lits, les vins. Viva Vili. Viva les lits, Vili. Voilà. À la petite. Je fis sa conquête à minuit à 2 pas de sa demeure. Elle me dit, mon mari est en Loire inférieure. Voulez-vous montons chez moi pour causer, il fera moins froid. Mon mari, c'est peu probable qu'il rentre à une heure semblable. Croyez, oh c'est certain, il est 12h40 et son dernier train arrive à 11h30. Je fais, peut y avoir du retard, oh ce serait bien un hasard. Venez-vous, oui que je bredouille en pensant, elle me fout la trouille. L'inconnu me fait sans bruit monter jusqu'au 5e. J'entre derrière elle et puis je reste là tout blême. Il y a 2 valises devant moi, je balbutie à mi-voix. Hey, il est rentré de voyage, votre mari, place ses bagages. Elle me répond tranquillement, non, ça sont des valises. Qu'en partant précisément, mon mari n'a pas prise. Mon cher ami, ça c'est bien, vous serriez déjà les poings. Oui, fille, j'en prenant une pause, mais j'avais serré autre chose. Elle me laisse au salon pour faire un peu de toilette. Mais c'est le mari en wagon qui me trotte dans la tête. Je regarde au mur les photos. Tiens, un boxeur, quel costaud. Bras croisés, grosse moustache noire, des épaules, oh. Une armoire,
ça serait pas le mari des fois. Je rappelle ma bergère, c'est votre mari là que je vois. Non, ça c'est mon beau-frère. Pas très bien. Non, mon mari, tenez, voilà son portrait ici. De la lutte, c'est un apôtre. Oh, il est trois fois comme l'autre. À nouveau seul au salon, je nous compare gentitube. C'est comparé du moellon et de la pâte de jujube. Mais au fond, je sais ce que c'est, il faut de l'audace, du toupet. La décision, s'il arrive, je le surprends par l'offensive. Je l'attrape par quoi? Je l'attrape par la tête. D'un seul coup, bring, je l'assois, je le couche sur la carpette. Je l'attrape par les talons et bring par-dessus le balcon. Je l'envoie nager comme une feuille. Ah oh, mais, maintenant, faudra-t-il qu'il veuille? Voici ma belle en peignoir. Oh, ce type, quelle moustache gaillarde. Sur mes genoux, elle vient s'asseoir. On dirait qu'il me regarde. Ah, pour chanter ma chanson, je me sens petit garçon. Petit, petit, sa chevrotte. Il me gêne, je vais faire des fausses notes. J'essaie de me prendre un peu à ce que je vais dire. Je vous aime, je vous veux, ma mie, je vous désire. On a pas sonné soudain. Non, y a du monde chez le voisin. Ouf, c'est chez lui que l'on sonne, mais chez moi, y a plus personne. Je rougis, je me défends, puis prends bientôt la porte. Dans la rue philosophant, je conclus de la sorte. Si j'avais pu ignorer qu'il y avait du danger, voire danger d'autre importance, je gardais mon éloquence. Les hommes trouvent le cran, la vaillance, l'audace, dans l'inconscience souvent du danger qui menace. Les mousquetaires à l'assaut partent planter leur drapeau. Que l'inconscience s'évade. Ça y est, c'est la débandade. Mes films comme Le Père Tranquille ou Les Casse-Pieds dont je vous parlais tout à l'heure m'ont été refusés. Le Père Tranquille m'a été refusé 5 fois, Les Casse-Pieds 6 fois. Et aujourd'hui, on veut que je tourne, sous prétexte qu'ils ont réussi, on veut que je tourne la suite des Casse-Pieds ou la suite du Père Tranquille. Chose que je ne veux pas faire parce que je ne la porte plus en moi. Moi, je veux travailler, en, comme je vous le dis encore une fois, avec mon cœur, avec mes tripes, je veux faire quelque chose que je sens. Et il me semble qu'en faisant quelque chose que je sens, le public sera plus avec moi. Seulement, malheureusement, il faut que je passe par l'intermédiaire qui est le producteur qui ne veut pas. Alors, en un mot comme en mille, nous vous souhaitons, avec vous, Noël Noël, de pouvoir réaliser non pas des suites de succès, mais des films originaux. Un mauvais haut-parleur hurle sous la verrière. Mais il y a les voyageurs, pour l'Orient, envoyés, par ailleurs, le radar, pour l'Est, la bière, pour voisir les vauplins. Comment, qu'est-ce qu'il a dit? On a compris pourtant qu'il allait être l'heure, les uns semblent heureux, d'autres sont atterrés, ils rient nerveusement, ils parlent haut, ils pleurent, ceux que la vie va séparer. Une famille part, la mère s'affole, s'affaire. Paul, c'est son mari Paul. Où est Toto? Toto sous la banquette, joie, je traîne mon derrière. Et Jeanne, j'en ai déjà dans le filet tout là-haut. Tire pas la barbe du monsieur Adrienne. Paul, as-tu les billets? Et le saucisson? As-tu fermé le compteur? Où est le panier de la chienne? Paul, tu n'as pas changé de caleçon. Un monsieur qui reste tient ce langage. Au revoir mon cher, écrivez-moi de là-bas. Bien le bonjour à Fécamp, c'est ça, oui. Bon voyage. Il sourit, bon voyage. Mais le train ne part pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ben faudra m'écrire. Voilà mon cher, bien le bonjour à Fécamp. Voilà, oui, bon voyage. Mais son œil semble dire, bon Dieu de train va-t-il foutre son camp. Un mari qui s'en va dit à sa femme, vite j'ai pas le temps, va me prendre quelques journaux. Mais il n'a pas osé lui donner son programme. Le froufrou, sexe à pile, et Paris sans rideau. Madame pleine de sollicitude, leur a gâté, je t'ai pris 2 bouquins. Merci ma petite chérie. La bataille de Dixmude et la vie de Saint-Thomas-d'Aquin. Un voyageur s'écrie, au revoir Étienne, je m'excuse d'avoir encombré ta maison. J'étais venu pour 2 jours et je suis resté 3 semaines. J'exagère, où penses-tu? Où est donc mon wagon? Tu vois que je manque le départ et que je reste. Ta femme qui me verrait revenir m'installer. Mais mon cher, le plaisir serait pour nous, je proteste. Monte vite, ça vient de siffler. Dans les premières, une jolie petite poule blonde, à un vieux beau qui part, fait ses adieux. Elle l'embrasse et lui dit dans une douleur profonde, au revoir mon grand Mimi, au revoir mon oiseau bleu. À mesure que le train s'éloignera tout à l'heure, elle fera encore des au revoir à haute voix. Au revoir m'amour, au revoir. Et puis plus intérieur, au revoir vieille nouille, au revoir vieille noix. C'est l'heure, un employé vient fermer les portières, le haut-parleur mugit, attention s'il vous plaît.
Un coup de sifflet, le train part, accélère, des mouchoirs agités, des au revoir, c'en est fait. Lumière qui s'enfuit, cri de locomotive, ils sentent obscurément le cœur gai ou serré, qu'il vient de se passer des choses décisives, ce que la vie a séparées.